Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par les cliniques du groupe IVF Life. Je vais attendre que tout le monde puisse se connecter. J'espère que vous nous entendez bien, que vous n'avez pas de problème de connexion. Je vois que les participants commencent à arriver. On va attendre un petit peu. Pour l'instant, je vais présenter le webinaire et nos invités. Donc pour moi, je suis Sophie Hortels, responsable du suivi des patients dans la clinique IVF Spain de Madrid. Nous présentons aujourd'hui le deuxième volet de notre série Être acteur ou actrice de sa PMA. Ce sont des conférences pour vous aider dans vos traitements, pour mieux comprendre votre protocole et mieux préparer votre corps pour le traitement et la grossesse. Aujourd'hui, donc, nous allons parler du thème des fausses couches. Comment les explique-t-on et peut-on vraiment les éviter? Pour cela, je suis accompagnée aujourd'hui de trois super professionnels. Le docteur Maria Calomardé, qui est gynécologue spécialiste dans la clinique IVF Spain de Madrid. Bonjour, docteur. Bonsoir, merci. Et Adva Grundmann et Virginie Terrier, qui sont fondatrices de Fertiline. Bonsoir. 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 Voilà, donc je vais laisser la parole à nos invités. Juste pour vous indiquer, vous pouvez laisser toutes vos questions sur l'onglet questions-réponses en bas de votre écran. On y répondra à la fin de la présentation. Pour l'instant, donc, je laisse la parole d'abord au docteur Maria Calomardé qui va nous expliquer toutes les questions médicales. Et ensuite, Virginie et Adva, je vous laisserai vous présenter. Et voilà, donc le docteur Maria Calomardé, c'est à vous. Merci pour votre présentation, Sophie. Alors, pour bien comprendre, on parle des fausses couches lorsque la grossesse s'arrête spontanément avant les 20 semaines de grossesse. D'accord? Et c'est-à-dire 20 semaines d'aménorrhée depuis les dernières règles. Malheureusement, les fausses couches sont assez courantes puisqu'elles interviennent dans 20, entre 20 et 25 % des totales de grossesse. D'accord? Et on parle de fausses couches à répétition, soit en cas de trois fausses couches en grossesse à terme, ou bien sans fausses couches avec des grossesses à terme, entre fausses couches et fausses couches. D'accord? C'est vrai que la plupart des fausses couches interviennent avant les 12 semaines de grossesse. Et on va parler sur les différents types de fausses couches. Les différents types de fausses couches. Sophie, exactement, merci. Les différents types de fausses couches dépendent en fait de quand elles interviennent dans la grossesse. D'accord? On parle des grossesses biochimiques ou fausses couches biochimiques quand on a un test de grossesse ou bien en 5 ou bien en 8 positif, mais la grossesse n'évolue pas. D'accord? Alors, ça veut dire qu'on fait l'écho et on ne peut pas voir ni les sacs ni l'embryon. D'accord? Alors, c'est très précoce, le plus précoce. Il y a aussi. Excusez-moi. Et il y a aussi des fausses couches précoces. On parle des fausses couches précoces lorsqu'elles interviennent avant les semaines 10 des grossesses. Et la fausse couche tardive ou avancée lorsqu'elle intervient entre les 11e et les 20 semaines de grossesse. D'accord? Et après les 20 semaines de grossesse, on parle des accouchements prématurés. Alors, ça veut dire qu'il y a un père de fœtus et il devrait avoir un accouchement de fœtus. D'accord? Et on va parler sur les causes des fausses couches. C'est vrai que les fausses couches sont encore l'objet de nombreuses études, d'accord? Il existe des fausses couches qui sont inconnues encore, d'accord? Et il existe aussi causes connues. On va parler vraiment sur les causes connues et sur les plus fréquentes, d'accord? Et les plus fréquentes sont les altérations chromosomiques de l'embryon. Ça peut avoir une implantation de l'embryon, ou bien un échec d'implantation, ou bien une implantation de l'embryon, mais l'embryon arrête le développement et il y a vraiment donc une fausse couche. Ça peut arriver, ça peut être dû soit à une altération du karyotype des géniteurs directement, d'accord, ou soit à une altération chromosomique due à une altération ou bien des lobocytes, ou bien au niveau des spermatozoïdes, ou bien des deux, d'accord. Au niveau des ovocytes, normalement, c'est pour une diminution de la qualité des ovocytes, et normalement, c'est dû à un âge maternel avancé, d'accord? Parce qu'on peut savoir qu'à partir des 35 ans, et la qualité des ovocytes diminue, d'accord? Et aussi, ça peut arriver pour, par exemple, une maladie qui s'appelle l'endométriose, ou bien un syndrome des ovaires polykystiques aussi, d'accord? Les qualités de l'ovocyte diminuent aussi.
Et aussi, on peut parler sur la pathologie au niveau de l'SSPR en dessous, qui est en relation aussi. Et on est tout normalement avec l'espérogramme, la qualité des spermatozoïdes et sur la morphologie, la quantité des spermatozoïdes et la morphologie, mobilité, morphologie et quantité des spermatozoïdes, d'accord? Il y a aussi de plus en plus d'études qui montrent le rôle de l'as de Peyer dans les fausses couches, surtout à partir de 45 ans. Et aussi dans les causes de fausses couches, on trouve des altérations immunologiques aux décoagulations de la mère, qui sont très importantes aussi, comme par exemple les syndromes d'antiphospholipides ou aussi des mutations de coagulation qu'on peut trouver aussi dans les prises de sang. Et on trouve aussi dans les causes en repos avec des infections lors des premiers trimestres, comme on étudie les cytomegalovirus, la toxoplasmose et la rubéole, qui sont les plus fréquents, les plus importants. Et cette infection produit normalement malformation embryonnaire très sévère dans les premiers trimestres et pourtant l'arrêt de la grossesse. D'accord? Enfin, aussi, on a parlé sur les fausses couches en relation à les altérations anatomiques de l'utérus, comment les malformations utérines et aussi l'incompétence cervicale ou bien les fibromes qui sont très fréquents aussi et, ou bien les polypes de l'endomètre qui modifient la cavité utérine, d'accord, de l'endomètre. Alors, et pour essayer d'éviter les fausses couches, d'accord, il faut de faire comprendre pourquoi les fausses couches interviennent et essayer de corriger les préparations de chaque patient, d'accord. Et alors, pour ça, on a beaucoup d'examens à faire. Les premiers examens qu'on peut faire, c'est les karyotypes pour écarter les altérations chromosomiques dans les progéniteurs, d'accord. Et après ça, aussi, une étude très fréquente dans notre clinique, et la consultation, c'est les diagnostics génétiques préimplantatoires. Et on fait ces diagnostics déjà à l'embryon qui est déjà formé, d'accord? On doit faire la fertilisation de tous les ovocytes, soit propovocytes, soit dendrovocytes. On doit attendre jusqu'à jour 5, puis on fera la biopsie de l'embryon. On prend entre 5 et 6 cellules de l'embryon. On fait cette analyse. Et avec ça, on peut écarter, dans 2-3 semaines, on peut écarter que l'embryon est ou bien sain génétiquement, chromosomiquement, ou bien anormal. Alors avec ça, on peut écarter les transferts qui normalement finissent avec un échec d'implantation ou une fausse couche, d'accord? On appelle ces tests PGT-SR, au cas, imagine que les progéniteurs ont une altération de l'écarotype, alors on fera PGT-SR à l'embryon. Ou bien PGTA au cas de suspicier une anomalie de l'embryon, des anéoploïdies ou malformation due à l'âge avancé maternel ou due à une spermatopathologie. D'accord? Pour écarter les causes immunologiques et des coagulations, on recommanderait de faire une étude de la thrombophilie, on appelle aussi bilan des fausses couches. Si on détecte des altérations, alors, on pourra adapter les protocoles des traitements avec des corticoïdes, d'aspirine, d'héparine, des vitamines, d'accord, qui pourront améliorer la circulation sanguine versus l'utérus et éviter la formation des petites microthromboses, d'accord, qui peut provoquer cette fausse couche, d'accord, ou échec d'implantation aussi. Alors, aussi, on peut faire des examens très intéressants, d'accord, ici à notre clinique, qu'on appelle l'ERMAP ou l'IMAP. Et l'ERMAP, c'est pour vérifier la réceptivité de l'endomètre et l'IMAP pour étudier les réponses immunologiques. D'accord? Avec l'ERMAP et l'IMAP aussi, on doit faire une biopsie de l'endomètre. On doit préparer l'endomètre comme un transfert, mais au lieu de faire les transferts, on fera la biopsie de l'endomètre. Et avec ça, on peut étudier l'endomètre génétiquement pour voir si la fenêtre d'implantation est bonne, d'accord, pour un embryon du jour 5. Ou bien les déplacer, d'accord? Et dans les cas de l'IMAP, on doit étudier les réponses immunologiques à une implantation, dans les cas d'un patient, d'accord, qui peut être un peu faible ou un peu sévère, un peu élevé. Et aussi, pour écarter les infections, d'accord, les maladies infectieuses, on doit faire des sérologies avant de faire les traitements pour écarter ça. Et par exemple, un patient qui n'a pas été vacciné de la rubéole, nous recommanderons de faire cette vacciner avant les traitements.
Et on pourra également vérifier les malformations entérielles avec des examens gynécologiques comme l'écho 3D, l'hystéroscopie ou l'hystérosalpingographie pour étudier surtout les cavités endométriales. D'accord? Alors, et sur tous ces tests, ne sont pas recommandés pour tous les patients. C'est pour ça que c'est très important de personnaliser les protocoles et diriger les patients et souvent leur antécédent. D'accord? Et chez IVF, on essaie de détecter les causes des fausses couches le plus tôt possible pour éviter les échecs de répétition. On peut savoir, on peut comprendre que ça, c'est très stressant. Alors, normalement, on n'attend pas à avoir trois fausses couches ou cinq fausses couches avec des grossesses, très fausses couches et fausses couches, parce qu'on pense que le mieux, c'est de diagnostiquer ça le plus tôt possible. Alors, avec les premiers rendez-vous, on a un premier rendez-vous pour remontrer les antécédents de la patiente, pour avoir un bilan complet et arriver à un diagnostic le plus précis possible. Par exemple, pour un patient de plus de 40 ans et avec, par exemple, des fausses couches antérieures, et nous rechercherons plus de la côté de la génétique, nous conseillerons les diagnostics génétiques préimplantatoires, par exemple. Mais si on a un patient avec des échecs sur entraînement des dons d'ovocytes ou un patient très jeune et avec fausses couches ou avec beaucoup d'échecs d'implantation, l'écho sera peut-être à rechercher au niveau de la coagulation ou de l'endomètre ou de l'immunologie. D'accord? Alors, ça veut dire que chaque cas est différent et il faudra de bien étudier les couples pour arriver au meilleur résultat et au meilleur traitement. Et on va parler sur autres facteurs à risque, d'accord? Il existe aussi d'autres facteurs à risque qui sont encore en étude pour expliquer aussi les fausses couches. Et on peut savoir aussi qu'il existe des relations entre les taux de fausses couches et les complications, les grossesses avec les pathologies qui sont associées à l'obésité, par exemple, comme l'hypertension ou la diabète, par exemple. Et aussi, on peut parler sur les grossesses multiples qui percent, c'est une grossesse plus risquée qu'une grossesse simple. En fait, il y a plus de taux de fausses couches avec les grossesses multiples. D'accord? Et enfin, beaucoup de patients s'intéressent sur la relation entre la qualité de vie et le stress et les réussites des traitements. Et je veux dire qu'il n'existe pas de résultats de ces études claires, d'accord, sur cela, mais ma sensation étant que médecin est que les facteurs de qualité de vie et les facteurs psychologiques également ont une influence sur le déroulement d'un traitement et de la grossesse. C'est pour cela que nous recommanderons toujours d'adopter un vie sain après un transfert et les premières semaines de grossesse surtout. D'accord? Et sur ces points, je laisse donc la parole à nos invités, Virginie et Adva, qui nous parlera de tous les aspects de la qualité de vie à prendre en compte pour votre traitement et votre grossesse. Et je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour Merci. l'introduction. Donc Virginie et Adva, je vais vous laisser partager l'écran. Oui, alors je te laisse partager la bonne présentation. Elle est où? Elle est en bas. Ah, ici, ok. Voilà. Ah, là voilà. Parfait. Nous et la technique. C'est toujours une aventure. Alors, attends, je passe du coup vers nous. Voilà, donc je me présente, Adva Groenemann. Je suis consultante en fertilité et PMA et j'accompagne depuis bientôt 6 ans des couples dans leur parcours de PMA et principalement à l'étranger. Et puis Virginie Terrier, qui est nutritionniste et micronutritionniste. Avec qui nous avons cofondé Fertiline il y a un peu plus de 9 mois maintenant. Voilà. Exactement. Je te laisse continuer. Alors, je voulais commencer par cette très courte phrase pour justement poser un petit peu le contexte, parce qu'aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est pas facile pour vous et qui n'est pas facile à aborder pour nous non plus, qui est le sujet des fausses couches. C'est un sujet qui est très sensible. Et la première chose que je voulais vous dire, c'est reprenez confiance, parce qu'en fait, nous, on n'est pas du tout là pour vous culpabiliser. C'est vrai que
on passe toujours un peu pour les moralisatrices dans le cas de l'hygiène de vie en disant bah oui, pour les fausses couches, il faudrait faire attention à ceci, il faudrait faire attention à cela. Ce qu'on tenait à vous dire dans le discours, c'est qu'aujourd'hui, on ne souhaite pas du tout tenir un discours culpabilisant, loin de là cette idée, parce que finalement, sur les fausses couches et le mode de vie, il y a des pistes, mais il n'y a pas des pistes très très claires. Nous, ce qu'on exploite, c'est des pistes qui sont relativement nouvelles. Vous allez voir les études qu'on vous montre, c'est des études qui sont récentes, 2018, 2019, 2015, peut-être les plus vieilles. Donc, c'est vraiment tout récent, et aujourd'hui ces pistes, c'est pas non plus des pistes qui sont super exploitées. Nous, on commence à les exploiter, mais on n'avait pas beaucoup de données sur le terrain, les problématiques de terrain et les fausses couches jusque-là. Donc par contre, on est très optimiste sur l'idée, sur le fait qu'un travail de terrain peut améliorer le contexte et peut diminuer le risque de fausses couches à répétition. Aujourd'hui, on a de très bons résultats dans le cadre des programmes Fertiline. On vous en parlera, mais déjà, vraiment, juste pour introduire, si vous êtes là, c'est que je pense que vous cherchez des pistes, et ces pistes, on va essayer de vous en donner un maximum, mais vraiment, reprenez confiance, parce qu'il y a des solutions, il faut trouver les bonnes, mais des solutions, il en existe, et il y a des facteurs sur lesquels on peut travailler. Maintenant, des facteurs, il y en a plein, et comme dans toutes les problématiques de fertilité, nous, c'est un peu la raison pour laquelle finalement on a créé Fertiline, c'est parce que en consultation, quand on reçoit une personne avec une problématique d'infertilité, on est là déjà dans un sujet qui est complexe, puisque dans la fertilité, tout est complexe. Les hormones, c'est complexe, l'endomètre, c'est complexe, on est face à des tissus qui sont très dynamiques, qui ont des proliférations cellulaires intenses, c'est vraiment des dynamismes, enfin, vraiment des tissus qui ont un fonctionnement qui est supraphysiologique, que ce soit au niveau des hormones de la fertilité, au niveau de l'endomètre, au niveau de l'embryon et du développement d'une grossesse. Donc, tout est complexe et finalement, chacun des mécanismes doit fonctionner proche de la perfection pour que les étapes se passent correctement les unes après les autres. Et c'est pour ça que finalement, des pistes par rapport à la gestion des fausses couches, on n'en manque pas. Il y en a plein. Et vous avez dû entendre plein de choses. Si vous vous baladez sur les réseaux sociaux, bah évidemment, on va vous dire ah bah, il y a peut-être la piste de la vascularisation, la piste du gluten, de l'épaississement de l'endomètre. Il y a plein de choses. Mais l'idée, c'est de trouver la bonne piste. Donc, nous, l'outil qu'on a créé, en fait, nous aide aujourd'hui à trouver les bonnes pistes. Aujourd'hui, on va aborder un certain nombre de pistes. On ne les aborde pas toutes. J'ai un peu cette frustration sur ce webinaire de me dire, ben, moi, je vous parlerai bien une après-midi entière de fausses couches parce que je crois qu'il y a de quoi débattre pendant pas mal de temps. Mais on a un temps qui est limité, donc on va aborder un certain nombre de pistes. Et ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que simplement, si vous choisissez le bon itinéraire, vous avez beaucoup plus de chances d'arriver au bon endroit. C'est pour ça qu'en fait, il y a plein de pistes, mais l'idée, c'est de trouver quelle est la bonne piste pour vous. Si vous avez subi des fausses couches à répétition, alors c'est vraiment cette question-là qu'il faut se poser, quelle est la bonne piste. Et évidemment, si vous êtes dans cette situation de fausses couches à répétition, il y a une question que vous vous posez et que vous vous êtes posée à chaque fois que c'est arrivé, c'est pourquoi ça arrive. Et moi, je l'ai souvent en consultation, dès que je reçois des patientes qui ont vécu des fausses couches, elles me posent cette question, mais pourquoi ça arrive? Pourquoi ça m'est arrivé plusieurs fois? Pourquoi ça m'arrive à moi plusieurs fois, alors que finalement, en termes de probabilité, ça ne devrait pas arriver tant que ça? Alors, pour répondre à cette question, moi, je vais vous en poser une autre, qui est à quel stade ça arrive? Est-ce que ça arrive à 6 semaines d'aménorrhée, à 8 semaines d'aménorrhée, à 10 semaines d'aménorrhée, à 12 semaines d'aménorrhée? Parce qu'en fait, la grossesse, c'est un processus qui est continu, qui est évolutif, mais à chaque phase correspond en fait des processus et des étapes. Et il faut comprendre quand ça arrive et quelles sont les étapes qui ont été finalement mal produites pour que cette fausse couche arrive. Donc, nous, on a pas mal réfléchi à tout ça, et puis on s'est dit, mais finalement, qu'est-ce qui se passe avant 6 semaines d'aménorrhée? Qu'est-ce qui se passe entre 6 et 9 semaines d'aménorrhée? Qu'est-ce qui se passe entre 9 et 12 semaines d'aménorrhée? Donc, cette question, elle est importante. Quand les fausses couches arrivent-elles? Est-ce qu'elles arrivent toujours au même moment? Ou est-ce que vous avez déjà eu des fausses couches relativement précoces et des fausses couches peut-être un peu plus tardives? Et dans ce cas-là, ça change aussi un petit peu la mécanique. Alors, vous avez vu, il y a un terme qu'on retrouve dans toutes les phases, c'est l'immunité. Donc clairement, il y a une chose qui est certaine, c'est que si vous avez fait des fausses couches à plusieurs étapes d'une grossesse, là, il faut vraiment se poser la question de l'immunité et de ce qu'est en train de faire votre immunité, parce qu'à toutes les étapes, dans les 3 premiers mois de grossesse, l'immunité et la transition immunitaire est essentielle. On va en parler, c'est le plus gros sujet au niveau des fausses couches.
l'équilibrage immunitaire, l'adaptation immunitaire, c'est un sujet qui est vraiment très, très important. Il y a aussi la division cellulaire. Ce qu'il faut comprendre, alors on va en parler, c'est qu'un embryon, en fait, il se divise énormément, beaucoup plus que nos cellules habituellement. Et cette division cellulaire, elle est hyper intense dans les deux premiers mois de vie de l'embryon. C'est la division cellulaire la plus intense qu'on va connaître dans notre vie. Il n'y a pas d'autre étape dans la vie où on fait autant de division cellulaire. Et cette division, il faut pouvoir la soutenir. Ça ne se fait pas tout seul. Il y a des vitamines qui sont essentielles pour soutenir cette division cellulaire. Il y a des mécanismes épigénétiques qui sont essentiels aussi pour la soutenir. Et évidemment, tout ça, il faut l'avoir à disposition si on veut avoir une division cellulaire efficace. Et là, on va en parler juste après, mais la division cellulaire, ça ne tient pas que à la femme, ça tient aussi à l'homme et à la qualité et au matériel qui est transmis par le spermatozoïde. Et ça, on l'oublie souvent, parce que c'est vrai que souvent, quand il y a des fausses couches, on se focalise beaucoup, beaucoup sur la maman, sur la femme, en fait, pour justifier les fausses couches, pour chercher les raisons des fausses couches. Mais si, justement, une fausse couche est relativement précoce, il faut aussi, ou s'il y a des échecs d'implantation de façon répétée, il faut aussi se soucier de la qualité de division cellulaire qui va être transmise par l'homme et par le spermatozoïde. Ensuite, il y a un autre paramètre qui est aussi l'endomètre, la qualité de l'endomètre, mais pas que la qualité de l'endomètre, aussi la vascularisation de l'endomètre. Donc, vous connaissez les critères d'épaisseur de l'endomètre, ça c'est très important. C'est aussi un critère de division cellulaire. Si vous avez un endomètre fin, alors ça peut aussi vouloir dire, un des facteurs peut être une division cellulaire qui n'est pas suffisamment efficace, parce que l'endomètre, c'est un tissu qui est finalement très dynamique. Donc, il s'épaissit, il part, il se réépaissit. Et là, il y a des phénomènes de division cellulaire qui sont intenses au niveau de l'endomètre. Et la vascularisation de l'endomètre porte aussi sur beaucoup de facteurs. Alors, je vais vous détailler un petit peu tout ça. Déjà, commençons par la division cellulaire. C'est un point qui est hyper important. Ça, vous le connaissez bien, ce point. Si vous êtes allé en PMA et que vous avez eu recours à des fécondations in vitro parce qu'on vous parle de l'évolution de vos embryons, on vous dit, voilà, vous avez un embryon, et puis c'est un J3, et puis maintenant c'est un blasto. Et puis, en fait, donc, vous voyez qu'il y a des phénomènes de division cellulaire et que pour obtenir un embryon qui finalement va être implantable et va pouvoir se développer, il faut que cette division cellulaire soit efficace. Sur une grossesse naturelle, c'est tout à fait la même chose. Et cette division, elle ne s'arrête pas au moment où on implante l'embryon. Elle s'arrête jamais, en fait. Elle continue pendant toute la grossesse et elle est extrêmement intense. Donc, juste pour vous faire comprendre l'ampleur de la division, entre la fécondation et le moment où on obtient un blastocyste, c'est-à-dire un J5, J6, on passe de 1 à 200 cellules en 5 jours. Donc, c'est pour vous montrer à quel point c'est intense, à tel point ça va vite. On ne subit jamais autant de phénomènes de division cellulaire dans notre vie entière. C'est la seule phase où on a une cellule qui se divise autant et si vite, en fait, hein. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette division, au début, en tout cas, elle se fait en autonomie totale. Et ça va conditionner la qualité des premières cellules. Parce qu'en fait, on part d'une cellule, puis on fait des copies, puis des copies, puis des copies, puis des copies. Puis évidemment, les premières copies, c'est celles qui vont faire toutes les autres copies. Donc la qualité des toutes premières divisions cellulaires est essentielle pour le développement de l'embryon plus tard. Et ça, c'est très important. Cette division se fait en autonomie totale. Elle porte sur la qualité de l'ovocyte et sur la qualité du spermatozoïde et sur le potentiel de chacun, de chacune en fait, des gamètes. Ça veut dire que le père a un rôle très important là-dedans. Ça veut dire que le père assume finalement 50% de la division cellulaire de première phase, c'est-à-dire des 200 premières copies de votre embryon. Il en assume les 50%. Et ces copies, encore une fois, c'est celles qui vont se reproduire à l'infini pour finalement créer un embryon, puis un fœtus, et puis aboutir sur un enfant. Donc, il y a un certain potentiel qui est donné par le père, et vous ne devez pas oublier le père. S'il y a des fausses couches à répétition, il faut vraiment bilanter les deux personnes et ne pas écarter l'homme du bilan, en fait, hein. Puis évidemment, en tant que femme, vous avez un rôle aussi, en tant que maman, vous avez un rôle aussi pour cette division cellulaire. Et la question qu'il faut se poser, c'est finalement, quel est le potentiel qu'on donne? Alors, quand on parle de potentiel, on parle de quoi? Eh bien, on parle finalement de deux choses sur la division cellulaire. Deux choses principales, il y en a d'autres, mais ça, c'est les principales. La première, c'est la méthylation.
Et la deuxième, c'est la mitochondrie. Alors, si je reprends ce petit schéma-là, vous voyez dans la cellule, vous avez des petites zones vertes comme ça, toutes rondes, un peu striées à l'intérieur. Ça s'appelle des mitochondries. Les mitochondries sont les centrales énergétiques de nos cellules. C'est ce qui fournit l'énergie à la cellule. Vous imaginez que pour créer des divisions cellulaires intenses, il faut avoir une énergie cellulaire considérable et il faut avoir des mitochondries qui fonctionnent vraiment très, très fort. Les ovocytes, les spermatozoïdes sont les cellules du corps qui contiennent le plus de mitochondries. Ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'elles ont un rôle très spécifique. Elles ont pour rôle d'assumer une division cellulaire en autonomie. Donc ça, il faut bien le considérer. Et ces mitochondries, elles ne tournent pas toutes seules. Elles tournent notamment... Hop là, on revient là. Elles tournent notamment avec un élément qui n'est pas vraiment classé. Ce n'est pas vraiment une vitamine, ce n'est pas vraiment un minéral. C'est un antioxydant qui s'appelle le coenzyme Q10. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce coenzyme Q10. Si vous êtes en insuffisance, dans une situation d'insuffisance ovarienne, probablement, parce qu'on donne souvent du coenzyme Q10 dans les insuffisances ovariennes, puisque c'est un antioxydant, donc il crée du rajeunissement cellulaire, il redonne du potentiel aux cellules en général. Et ce coenzyme Q10, il a un rôle très important dans l'énergie de la cellule et dans l'énergie que la cellule va pouvoir mettre pour une division cellulaire. Il y a même des études qui vont plus loin. Alors, je vous ai mis notamment une référence ici d'une étude qui a été faite en 2015 qui a montré que le coenzyme Q10, au-delà vraiment de son aspect énergétique et du potentiel qu'il va donner pour la division, il a un rôle immunitaire, c'est-à-dire qu'il équilibre deux branches immunitaires dont on va parler tout à l'heure, la branche TH1 et TH2, qui sont essentielles à l'évolution d'une grossesse et à la réussite d'une grossesse. Donc ce Q10, il est super important. Et attention, il n'est pas important que chez la femme, il est important chez l'homme aussi. D'ailleurs, chez l'homme, on complémente beaucoup plus facilement les hommes en coenzyme Q10 quand il y a un défaut du spermogramme, puisque le coenzyme Q10, vu qu'il donne de l'énergie en fait aux spermatozoïdes, il augmente leur mobilité. Donc là, c'est un des critères. Si vous avez chez votre conjoint un spermogramme qui a avec une mobilité réduite des spermatozoïdes, là, il faut vraiment donner du coenzyme Q10 et il faut le donner, si possible, plusieurs mois en fait, avant la conception. Donc, pensez au coenzyme Q10, pensez à ces mitochondries. Les mitochondries, elles doivent tourner. Elles tournent aussi avec un autre élément qui s'appelle la carnitine. La carnitine, on la trouve dans la viande et dans les protéines animales principalement. Ce qui veut dire que finalement, si vous avez des fausses couches récurrentes et que vous avez une alimentation qui est plutôt végane, il faut peut-être réfléchir à une complémentation aussi en carnitine pour assurer une division cellulaire efficace. La méthylation, c'est un autre phénomène qui est très important pour la division cellulaire parce qu'en fait, la façon dont on reproduit les cellules, c'est qu'on a de l'ADN dans le noyau d'une cellule, puis on va déplier notre ADN, on va copier l'ADN, on va le refermer, puis ensuite, il va se redéplier, se copier, se refermer. Et pour le faire très synthétique, parce qu'en réalité, c'est vraiment compliqué, la méthylation, c'est ce qui permet de rendre l'ADN dynamique et de faire des copies correctes. Et si une copie est correcte, ben finalement, les phénomènes de division cellulaire, ils vont vite, ils sont intenses et ils se passent bien. Alors, quand on parle de méthylation, la méthylation, elle est créée par plusieurs types de vitamines. Les principales, c'est la vitamine B9 et la vitamine B12. Et il y a des marqueurs de la méthylation, en fait. Si vous méthylez mal, vous pouvez doser dans votre sang certains marqueurs qui vous donnent, en fait, votre capacité à méthyler ou non. Alors, le principal marqueur de la méthylation, c'est l'homocystéine. C'est une analyse qui est, je crois, qui n'est pas vraiment remboursée en France ou que sur certains critères qui l'est en Suisse. Mais ça, c'est vraiment un investissement important. Si vous avez eu des fausses couches à répétition, dosez l'homocystéine et chez vous et chez votre conjoint. Une homocystéine, quand on a des fausses couches récurrentes, elle doit être en dessous de 9. Elle doit même être idéalement en dessous de 8. À savoir que la norme, elle va jusqu'à 14, parfois 15 en fonction des pays. Donc, il ne faut pas se contenter d'être dans la norme. Il faut être le plus bas possible. Et l'homocystéine, si elle est haute, il faut la faire baisser. Et ça va vous donner justement beaucoup plus de probabilité d'avoir, enfin, beaucoup plus de chances de grossesse déjà, beaucoup plus de probabilité de tomber enceinte et beaucoup moins de risques de fausses couches, en fait. Donc, l'homocystéine et les fausses couches précoces, là, ce n'est pas une publication. Il y a beaucoup de publications sur le sujet. Ce n'est plus vraiment une piste. C'est quelque chose qui est assez avéré. Et ça pose un problème, si vous voulez, parce que la méthylation, elle est en lien avec un gène qui s'appelle MTHFR,
que vous connaissez peut-être, parce que parfois, on va chercher les mutations génétiques sur ce gène en fertilité. Et il y a une étude, là aussi, très récente, qui a montré que plus de 80% des personnes qui sont en situation d'infertilité, hommes ou femmes, ont une mutation MTHFR et un niveau d'homocystéine élevé, et donc une incapacité à méthyler correctement. Donc ça, c'est vraiment un critère important. On sait qu'une homocystéine haute, des difficultés de méthylation, c'est corrélé, très souvent corrélé, justement avec une infertilité. Et il y a très peu de chances d'abaisser une homocystéine si vous prenez de la B9 et de la B12 normale. Il faut prendre des formes méthylées. Ça, c'est vraiment hyper, hyper important. Donc dosez votre homocystéine et viser plutôt des formes méthylées. Ça, on vous en parle souvent dans nos publications, parce que dans les programmes, on utilise des compléments alimentaires qui sont uniquement à base de formes méthylées. On ne rentre même pas en considération avec d'autres types de vitamines, parce qu'effectivement, on ne peut pas négliger l'efficacité des formes méthylées. Il faut vraiment aller là-dessus. Donc, plus vous abaissez l'homocystéine, plus vous avez de chances de grossesse, et moins vous avez de risques de fausse couche. Donc là, vous pouvez aussi lire cette étude qui a été faite sur l'homocystéine, et il y en a vraiment beaucoup sur le sujet. Au niveau de l'immunité, je vous ai dit que ça, c'était le sujet central. L'immunité, c'est le sujet central des fausses couches, et c'est un problème de terrain. Alors, il y a beaucoup de plus en plus de bilans immunitaires qui existent en réalité pour l'implantation, pour la grossesse, et c'est génial, tant mieux qu'on commence à faire vraiment tous ces bilans immunitaires. Mais souvent, on a une vision qui est très focussée. C'est-à-dire que la plupart du temps, on va aller regarder l'immunité, mais on va aller regarder l'immunité seulement sur un tissu, seulement sur l'endomètre. Alors, c'est déjà très bien, parce qu'évidemment, c'est l'endomètre qui va fusionner avec l'embryon et qui va donner les premiers signaux immunitaires. Mais c'est intéressant aussi de s'interroger sur l'immunité générale. Et pour vous interroger sur l'immunité générale, vous n'êtes pas forcément obligé d'aller faire un bilan tout de suite. Vous pouvez déjà vous poser des questions sur votre histoire personnelle. Est-ce que vous avez eu des allergies? Est-ce que vous avez eu des traitements antibiotiques répétés, par exemple dans la petite enfance? Est-ce que vous avez eu des infections récurrentes? Est-ce que vous avez encore des infections récurrentes? Est-ce qu'il y a un terrain auto-immun dans votre famille? Est-ce que vous avez une hypothyroïdie auto-immune? Est-ce que vous avez une autre maladie auto-immune? Est-ce que vous avez des douleurs, par exemple, articulaires pour lesquelles vous n'avez pas identifié la cause? Est-ce que vous avez des troubles digestifs chroniques? Tout ça, ça peut être vraiment des petites indications de déséquilibre immunitaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, l'immunité, elle est très importante dans la grossesse, parce que votre embryon, il se développe en autonomie totale, en fait, pas vraiment jusqu'à J5-6, mais jusqu'à J7. À J7, c'est le jour où l'embryon va fusionner avec l'endomètre par le biais du trophoblaste qui deviendra après le placenta. Donc, l'embryon fusionne et là, il se passe plusieurs choses. Votre embryon, il commence à être nourri par votre système sanguin, mais il est surtout repéré. C'est à ce moment-là que votre immunité se dit « Ouh là là, là, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui est pas normal sur le plan immunitaire » et l'immunité va devenir vigilante. Donc, l'embryon est repéré et normalement, il est protégé. Mais ça, c'est normalement. C'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses, parce qu'en fait, notre immunité a pour rôle, à partir du moment où il y a une nidation, où il y a une fusion, notre immunité, notamment endométriale, a pour rôle de protéger cet embryon des attaques immunitaires. Et si elle le fait, c'est parfait. Et si elle ne le fait pas, c'est dangereux pour l'embryon. Et c'est qu'il y a un problème, effectivement, de terrain immunitaire. Alors, je voulais aborder cette thématique de façon un peu plus précise, même si on va aborder des termes complexes, parce que je crois qu'à un moment donné, il faut vraiment comprendre la complexité des problématiques de terrain. La grossesse est une situation physiologique exceptionnelle, c'est une situation immunitaire exceptionnelle. C'est la seule situation où on tolère dans notre organisme le développement d'un organisme qui n'a pas la même génétique que nous. Donc, c'est vraiment une situation immunitaire qui ne se reproduit pas dans d'autres situations. C'est absolument exceptionnel et ça met en jeu un équilibrage en fait immunitaire complètement atypique. L'immunité de la grossesse, c'est un truc incroyable. Notre immunité se renverse, se bouleverse complètement à partir du moment où un embryon est nidé, et ça se passe dans les 3 premiers mois de grossesse. On appelle ça en fait la phase d'acceptation immunitaire, c'est-à-dire que l'embryon va s'accrocher, l'immunité va se demander ce qui se passe,
Et puis finalement, on va avoir un équilibrage immunitaire. Et cet équilibrage immunitaire va demander à notre immunité de tolérer cet embryon et de le protéger. Ça va durer 3 mois où l'immunité va se dire ben, « je fais quoi ? Je protège, j'attaque, je protège, j'attaque. » Et puis finalement, au bout de 3 mois, elle va décider qu'elle ne va pas attaquer et on passe sur un mode de tolérance immunitaire. Donc, il y a des bouleversements incroyables. Alors, notamment, si vous avez déjà fait, par exemple, un bilan Matrice Lab ou un bilan d'immunité endométriale, vous devez connaître le terme de « natural killer ». Les « natural killers », ce sont des cellules immunitaires de l'immunité innée, c'est-à-dire que eux, leur travail, c'est d'attaquer tout et n'importe quoi, les bactéries, les virus, les parasites, tout ce qui est anormal, ils attaquent, et ils attaquent très vite, en fait. C'est les plus rapides de notre immunité. Et donc, ces natural killers, à partir du moment où l'embryon a fusionné avec l'endomètre, ils ont quelques semaines, quelques mois pour diminuer de 70%. C'est-à-dire que vous perdez les 2/3 de votre immunité dans les premiers mois de grossesse, et ça sert à empêcher l'immunité d'attaquer l'embryon, puisque s'il n'y a pas de répression immunitaire, l'immunité attaque l'embryon et elle le détruit. C'est un corps étranger. Donc, dès les premiers moments de la grossesse, on a une répression de 70%, de 70%, pardon, de notre plus grosse voie immunitaire. On a une répression de certains autres types de lymphocytes, les CD8 par exemple, qui réagissent normalement aux infections virales. Eux, ils vont s'effondrer aussi pour accepter l'embryon davantage. Et on va avoir une augmentation de certaines branches immunitaires. Il y a une branche en particulier qui va augmenter qui s'appelle les Treg. Et cette branche Treg, c'est notre combat. Dans les programmes Fertiline, on a pour objectif d'équilibrer l'immunité et d'augmenter au maximum vos lymphocytes T-régulateurs pour que votre immunité puisse tolérer un embryon et le laisser se développer. Donc ça, c'est la logique, si vous voulez. Quand une grossesse commence, la logique voudrait que l'immunité s'équilibre d'elle-même. Seulement, votre immunité, elle est capable de faire ça si elle est vachement sympa puis qu'elle est vachement en forme. Si votre immunité n'est pas en forme parce qu'elle est malmenée par des infections chroniques, parce qu'elle est malmenée par des déséquilibres de terrain, probablement qu'elle ne va pas réussir à s'adapter. Et si elle ne réussit pas à s'adapter, alors c'est à vous et à nous de vous aider à faire pencher la balance pour que vos T-régulateurs augmentent et pour que vos natural killers s'abaissent, en fait. Hein. Et cette balance immunitaire, elle est essentielle. Dans la grossesse, on a même certains équilibres entre des branches immunitaires qui s'inversent. C'est le cas de la branche TH1 et TH2, alors on ne va pas rentrer dans les détails, mais à savoir que cette branche qui est normalement plus haute au niveau des TH1 et plus basse au niveau des TH2, elle a un ratio complètement inversé pendant la grossesse. Donc, moi, l'immunité de la grossesse, ça me passionne. Je pourrais vous en parler une après-midi, mais ça ne va peut-être pas vous intéresser beaucoup, en fait. Mais par contre, ce qui est passionnant, c'est de se dire que notre système immunitaire se met complètement à l'envers pour accepter un embryon. Et ça demande une énergie considérable et ça demande des capacités d'adaptation. Et si votre système est fatigué, s'il est épuisé, s'il est sollicité, s'il a autre chose à faire, il ne va pas faire tout ce travail-là. Il ne va pas le faire correctement. Et donc là, c'est à nous de vous expliquer et de trouver des pistes pour vous expliquer comment le faire. Parce qu'en réalité, si le système ne s'adapte pas, c'est qu'il y a quelque chose qui l'embête. Et cette chose qui l'embête, il faut la trouver, il faut la résoudre. Et c'est comme ça qu'on arrive à équilibrer une immunité. Parce que globalement, notre corps sait faire ça. Il sait gérer une grossesse. Hein, notre immunité sait et elle est faite pour ça. Donc, il faut juste retrouver ses capacités à le faire. Il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est que vous connaissez cette hormone HCG, celle qu'on attend tant, qu'on aime beaucoup bilanter, qu'on bilante toutes les 48 heures au début de la grossesse et qui nous indique, qui est un bon indicateur de l'évolution d'une grossesse. Et bien, cette hormone HCG, on sait qu'elle a un rôle de protection. On sait qu'elle a un rôle de protection de l'embryon contre l'immunité, contre les natural killers notamment. Et en fait, cette hormone HCG, elle n'est pas haute tout le temps, elle va monter. Et puis, à partir de la 8e semaine d'aménorrhée, elle va commencer à rebaisser. Donc, c'est pour ça que si vous avez, par exemple, des fausses couches qui tombent toujours au même moment, toujours, par exemple, 10 semaines d'aménorrhée, 11 semaines d'aménorrhée, là, on est vraiment très souvent face à des problématiques d'ordre immunitaire parce que ça correspond vraiment à la diminution de l'hormone HCG. Au niveau de l'immunité, comment on règle ça? En fait, il y a plein de choses à faire pour régler l'immunité. Déjà, tout à l'heure, on parlait un petit peu du stress. Le stress,
est un énorme perturbateur immunitaire. Le cortisol, qui est l'hormone du stress chronique, est un énorme perturbateur immunitaire. Donc, si vous êtes sous l'effet d'un stress chronique, il faut atténuer la production de cortisol et l'équilibrer pour éviter de perturber l'immunité. Il existe des perturbateurs alimentaires aussi, immunitaires, donc il faut les repérer. Il y en a beaucoup, donc on ne peut pas tout enlever chez tout le monde, parce que par exemple, si vous enlevez absolument les FODMAP, le gluten, le lactose, la caséine, l'histamine, autant vous dire que vous ne mangez plus rien. Donc là, il faut avoir des actions ciblées. C'est pour ça que nous, dans les programmes, on a aussi travaillé pour repérer les plus gros perturbateurs immunitaires dans la situation de chacun, pour pouvoir, si c'est nécessaire, enlever les principaux. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'immunité, elle est conditionnée à 80% par la flore intestinale. Alors, la flore intestinale, c'est ces petites bactéries qu'on a dans notre intestin. Pour faire très simple, on a une bonne flore, une mauvaise flore. Et si, à un moment donné, votre mauvaise flore devient dominante, ça va générer des perturbations d'ordre immunitaire. Et ça va créer une immunité particulièrement agressive. Et cette immunité agressive, il va falloir l'apaiser pour pouvoir tolérer une grossesse et pour pouvoir tolérer un embryon. Donc, le focus flore intestinale sur les fausses couches, malheureusement, on n'en entend pas forcément souvent parler. Et pourtant, c'est un focus prioritaire, absolument prioritaire, à savoir que prendre des probiotiques, ça ne suffit pas toujours. Il faut régler le dysfonctionnement immunitaire de base. Et les probiotiques, ça peut être intéressant pour le peu que ce soit les bonnes souches. Parce qu'en fait, il existe tellement de souches différentes et chaque souche de probiotique a une action immunitaire spécifique. Et vous avez certaines souches qui vont agir beaucoup plus, par exemple, sur les lymphocytes T régulateurs, qui vont aller diminuer les natural killers. Si vous prenez des probiotiques qui augmentent vos natural killers, c'est foutu, c'est pas du tout ce qu'on veut faire dans les trois premiers mois de grossesse. On veut les diminuer, on veut suivre et inciter votre corps à faire ce qu'il est censé faire. Donc ça, il faut bien comprendre que juste prendre des probiotiques, ça suffit pas. Il faut des souches vraiment spécifiques, il faut réussir à réadapter complètement le système et à emmener votre immunité là où elle doit aller, à l'emmener à faire ce qu'elle est censée faire. On sait notamment que dans certaines pathologies de la fertilité, il y a déjà d'énormes dérèglements immunitaires. C'est le cas de l'endométriose. Par exemple, l'endométriose, on se pose la question si finalement les échecs d'implantation sont vraiment liés aux lésions qui ne sont parfois pas du tout dans l'endomètre, ou si elles sont liées à l'activité immunitaire qui va avec l'endométriose. Et l'activité immunitaire qui va avec l'endométriose, c'est une activité qui est complètement déréglée au niveau des T régulateurs. Donc, on sait que voilà, il y a un lien immunitaire qui pourrait justement se reporter sur le risque de fausse couche. La dernière thématique que je voulais aborder, c'est la vascularisation, parce que en fait, vous savez qu'un endomètre, pour accueillir un embryon, ça s'épaissit et ça se vascularise. Donc là, on reprend un petit peu un cycle. Donc au début du cycle, on a les règles, on se retrouve avec un endomètre très fin. Et puis finalement, dans la phase folliculaire, l'effet des œstrogènes va permettre un épaississement de l'endomètre. L'épaississement, c'est de la division cellulaire. On en revient à la division de l'embryon. L'endomètre, c'est un tissu qui est extrêmement dynamique. Vous vous rendez compte que chaque mois, vous prenez plusieurs centimètres d'endomètre. Tout ça, ça coûte, hein, ça coûte en coenzyme Q10, ça coûte en vitamine B9, ça coûte en vitamine B12, ça coûte en antioxydants. Donc, il faut pouvoir le soutenir et il faut avoir vraiment un système de soutien très important. Donc, cet endomètre, il va se diviser, s'épaissir. Et une fois que vous passez sur la phase de la progestérone, c'est-à-dire la phase lutéale, qui est plutôt la zone d'implantation, vous allez avoir un endomètre qui se vascularise. Et je ne sais pas si vous voyez bien sur le schéma, mais les vaisseaux sanguins de l'endomètre, ils sont très particuliers, ils sont spirés en fait. C'est des spirales et c'est des vaisseaux qui sont faits pour amener énormément de flux sanguin à l'embryon. Et donc, la vascularisation, il faut la soutenir puisque d'un coup, vous vous trouvez avec un tissu qui a épaissi et qui doit amener beaucoup, beaucoup, beaucoup de sang. Donc ça, c'est un phénomène qui logiquement se passe bien aussi, mais pour le peu que vos vaisseaux sanguins aient une bonne capacité à se contracter, se dilater et à amener le sang là où il doit aller. Et il y a des choses particulièrement qui soutiennent la vascularisation. Donc notamment, je vous parlais de la division cellulaire. Pour avoir un endomètre efficace, il faut avoir une capacité de division cellulaire qui soit optimale. Et la deuxième chose, c'est la microcirculation.
Donc, la microcirculation, ce n'est pas que dans l'endomètre, hein, c'est dans les doigts, c'est dans toutes les parties fines du corps, en fait. Et cette microcirculation, elle tourne avec beaucoup de choses et elle est altérée par d'autres choses, notamment l'oxydation altère beaucoup la microcirculation. Et d'avoir une alimentation très riche en antioxydants, donc très riche par exemple en aliments colorés, dans ce qu'on appelle les phénols, donc les phénols on les trouve dans tous les aliments qui sont colorés, quelles que soient les couleurs, ça va améliorer votre capacité à vasculariser. Les oméga-3 améliorent votre capacité à vasculariser également. Et il y a une autre chose qui améliore la capacité à vasculariser, c'est un gaz qui s'appelle le monoxyde d'azote. Le monoxyde d'azote, c'est un gaz qui est produit par vos vaisseaux sanguins et qui leur permet d'être souples, en fait, et de se contracter et se relaxer et d'impulser un flux sanguin. Ce monoxyde d'azote, il est hypersensible au stress, il est hypersensible à des hormones comme le cortisol. Donc, en fait, un stress chronique va altérer la capacité de vascularisation de l'endomètre. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus du tout irriguer votre endomètre, mais ce sera un petit peu moins efficace. Donc, moins de stress, plus de phénol, plus d'oméga-3, ça c'est vraiment la règle pour avoir un endomètre qui répond bien. Alors, moi j'ai fini pour le côté fausse couche, je pourrais vous en dire encore beaucoup, 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 mais ce que je voulais vous dire surtout, c'est qu'en fait, dans tous ces phénomènes, des fois on est un petit peu perdu, mais même nous, hein, on se dit, mais finalement, il y a tellement de choses à considérer, il y a tellement de facteurs à prendre en compte, sur quoi on doit avoir un focus, et c'est exactement la raison pour laquelle on a créé les programmes, parce que la fertilité c'est compliqué, l'implantation c'est compliqué, et en fait il faut avoir des actions très spécifiques, mais les actions spécifiques sont pas les mêmes chez une personne et chez l'autre, et les programmes aujourd'hui nous aident à cibler en fait les actions spécifiques. Donc c'est vraiment ce qu'on a voulu créer, un algorithme qui permet de cibler quelles sont les bonnes actions dans votre situation. Alors justement, ces programmes Fertiline, leur but, c'est de scanner votre potentiel à faire toutes les choses dont on a parlé et vos limites, justement en vous posant des questions afin de pouvoir voir quels sont les facteurs qui pourraient limiter en fait votre fertilité et lever ces facteurs en ayant des actions vraiment spécifiques sur ces facteurs. Donc on vous accompagne. Donc premièrement, on scanne ce terrain. On va vous indiquer quelles sont les limites de votre terrain, et ensuite le but c'est pas de vous laisser comme ça et vous dire bah voilà voilà vos limites et on vous laisse. Non, le but c'est vraiment de vous accompagner, vous donner des recommandations précises. Alors vraiment nos programmes, on a vraiment essayé de les faire les plus précis et accompagnants possible afin de vous donner des leviers pour pouvoir améliorer ces facteurs, que ce soit par des attitudes, par la nutrition, par la micronutrition. Enfin, plein de choses, voilà. Maintenant, on a, donc ça, ce sont les programmes Fertiline. On a le Fertiline Concept, qui est en fait notre programme de base. C'est un programme de préconception qu'on vraiment, on encourage tout le monde à faire, parce que le but, finalement, c'est vraiment de scanner de nouveau ce terrain et de voir le terrain dans son ensemble afin de l'améliorer. Ensuite, on a créé des programmes plus spécifiques qui vous accompagnent dans vos traitements. Donc, ce sont les programmes Fertiline FIV, Fertiline Tech. Et d'ici la fin du mois, on aura les programmes Fertiline FIVDO, parce qu'on sait que même lorsqu'on fait une FIV avec don d'ovocytes, donc on a recours finalement à des ovocytes d'une femme, d'une autre femme, et bien aussi il y a des échecs d'implantation, puisqu'il reste toujours la piste immunitaire et que ben, il y a toujours la piste de monsieur aussi. C'est vrai que ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que ces programmes sont aussi pour les hommes. C'est-à-dire qu'on a des programmes pour femmes et des programmes pour hommes. Pourquoi ? Parce que nous sommes différents, notre système hormonal est différent, et donc on ne peut pas donner les mêmes conseils aux hommes et les mêmes conseils aux femmes. Donc vraiment l'idée, c'est de pouvoir scanner en fait l'homme, scanner la femme, et pouvoir donner des conseils adaptés à chaque personne et selon vraiment son propre terrain. Et de nouveau, d'une femme à l'autre, le terrain est vraiment différent, donc c'est vraiment des conseils qui sont personnalisés. On a un test gratuit sur notre site qui s'appelle un Fertiline Score, qui est en fait un test qui va reprendre certaines questions du programme Fertiline afin de vraiment voir quels seraient potentiellement les facteurs les plus limitants et vous donner déjà une idée de ce qu'un programme Fertiline pourrait vous apporter.
Et c'est un petit peu pour vous donner envie finalement d'aller plus loin et de pouvoir investiguer plus en profondeur et d'avoir vraiment des conseils vraiment adaptés à votre situation. On a parlé de quelques témoignages parce que évidemment, on a commencé à travailler avec Fertiline depuis 9 mois avec les programmes actuellement. On avait aussi commencé à faire des tests bien auparavant. Ça fait un an et demi oui. qu'on travaille dessus. Pour la petite anecdote, on a le deuxième bébé Fertiline qui est en train d'arriver maintenant parce qu'on a reçu un message. C'est des liens qui se créent vraiment avec nos utilisateurs. On a reçu un message que la future maman est en travail, enfin a été déclenchée. Non, va être déclenchée. Va être déclenchée. Excuse-moi, c'est toi qui as reçu le message. Et donc on est un peu émus en voilà, plus ce soir voilà. de cette nouvelle parce que c'est le deuxième bébé Fertiline. Il y a plein de bébés en cours. On va vous parler de ça. Tu voulais dire quelque chose? Je t'ai stoppé. Non, voilà. je suis contente pour eux. C'est on a plein de bébés en cours. Il y a certaines. On vous a parlé de certains bébés. C'est vrai que, comme beaucoup de gens préfèrent ne pas parler de leur grossesse parce que c'est des grossesses souvent qu'elles attendent depuis tellement longtemps. Et puis, on a l'impression que si on en parle, on a peur de quelque chose va nous tomber dessus. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on garde aussi pour plus tard parce que c'est des grossesses qui ne sont pas suffisamment avancées. Mais là, on voulait vous parler de plusieurs cas. De nouveau, vous comprendrez qu'on n'a pas mis les noms parce que la fertilité, l'infertilité est un tabou et que les gens préfèrent rester anonymes lorsqu'ils parlent de leur fausse couche, de leur infertilité. On a le cas de M qui avait eu 6 fausses couches en 2 ans. Et qui n'osait pas y croire, c'est-à-dire qu'en fait, elle a suivi un programme Fertiline. Elle avait eu 6 fausses couches pendant ces 2 ans. Elle a suivi un programme Fertiline et elle est tombée enceinte 2 semaines après. Et là, elle a contacté Virginie. Elle avait très très peur parce que finalement, elle avait l'impression que ça allait lui retomber dessus, qu'elle allait de nouveau faire une fausse couche. Et Virginie l'a rassurée en lui disant que non, que même si ça faisait que 2 semaines, elle avait vraiment pris elle avait fait des changements qui pouvaient vraiment avoir une importance sur son immunité. Et comme c'est vraiment un processus qui dure on savait que c'était à peu près vers 6 à 8 semaines qu'elle faisait ses fausses couches, qu'elle avait encore du temps. 10 semaines, excuse-moi, tu vois. C'est Virginie qui s'est plus occupée d'elle. Et du coup, elle a suivi son programme et maintenant, elle a déjà une fertilité avancée. Et là, on en a parlé récemment dans nos posts parce que vraiment, elle a pu enfin se réjouir une fois qu'elle a passé la deuxième échographie. On a aussi l'histoire de S, que moi j'ai plus suivie personnellement. Donc elle avait fait 3 FIV, qui avaient été négatives. Vu qu'elle avançait dans l'âge, on s'est dit que c'était la qualité des ovocytes. Donc on s'est dit on va faire un diagnostic préimplantatoire. Elle a pu avoir des bons embryons et malgré en fait le diagnostic préimplantatoire, c'est-à-dire le problème n'était pas du côté embryonnaire, c'était vraiment du côté immunitaire. Elle n'arrivait pas à garder la grossesse. Et puis, elle a suivi nos programmes, alors là, un peu plus de temps, 3 à 4 mois, je crois. Et maintenant, elle est enceinte d'un petit garçon. Elle va bientôt être la 20e semaine, donc après avoir suivi notre programme. On a aussi O qui avait, ça fait bizarre de dire comme ça, qui après 2 fausses couches et puis un arrêt de la PMA, a eu son bébé miracle qui est arrivé après avoir suivi un des programmes parce qu'on a vraiment mis en avant vraiment la problématique et puis la grossesse est arrivée et surtout elle a pu garder cette grossesse. Et le bébé est né. Hein. Et le bébé est né, oui, tout à fait. C'était le premier bébé Fertiline qui s'appelait d'ailleurs Alba, on en a parlé tout à l'heure. Et puis, il y a M. Alors ça, c'est pas vraiment elle n'a pas eu vraiment un problème de fausse couche, c'était plutôt un problème d'implantation, puisqu'elle a fait 4 FIV, elle a fait 2 FIV avec don d'ovocytes, donc vraiment tous les cycles avec les TEC, etc. Et ça ne marchait pas. Donc, c'est vraiment un problème d'implantation, donc c'est aussi fort probablement un problème immunitaire, c'est pour ça qu'on a voulu en parler. Et puis, donc, elle a suivi, elle avait fait un programme Fertiline, ça n'a pas marché. Bon, j'ai discuté avec elle parce que je voulais voir un petit peu comment elle avait suivi son programme. J'ai découvert qu'elle ne suivait pas
toutes les indications du programme. Je lui ai expliqué pourquoi chaque chose. Et là, elle a vraiment compris. Elle a suivi à la lettre. Donc voilà, c'est un peu, ça peut être un peu compliqué, mais quand on veut arriver à son but, c'est pas toujours simple, les recommandations qu'on donne dans les programmes. Par contre, un programme, c'est pas un livre que vous posez dans votre bibliothèque. C'est vraiment quelque chose d'actif. Il faut le pratiquer au quotidien. C'est sur quelques mois et vraiment. C'est court. C'est une période courte. C'est vraiment des périodes courtes. C'est beaucoup d'efforts en très peu de temps, mais par contre, les résultats sont aussi excellents derrière. Mmh. Mais si vous achetez un programme dans la perspective de pas le faire ou de peut-être le faire, ne l'achetez pas. Ça ne sert à rien. Donc, il faut vraiment que vous soyez dans un esprit de changement. C'est ça qui est hyper important. C'est vrai qu'on demande... Et on est là pour vous aider à changer aussi. Hein, On essaye d'avoir vraiment... de vous donner toutes les clés, tous les outils pour faire ces changements le plus facilement possible. Mais c'est vrai que ça demande des efforts. Et justement, donc, j'ai expliqué vraiment pourquoi c'était important à M de faire ces efforts qui étaient un peu difficiles. Elle me disait qu'elle pouvait le faire la semaine, mais pas le week-end. Et donc, elle l'a suivi. Et puis maintenant, la grossesse évolue bien et on a bientôt les 12 semaines, donc on va être hors de la période de danger. Et puis aujourd'hui, justement, on souhaite vraiment vous engager dans ce changement parce qu'on sait que vous souffrez énormément de ces fausses couches, que vous cherchez un moyen de ne plus vivre ça là. Alors évidemment, on ne peut pas vous promettre, vous le garantir, mais on a vraiment des pistes sérieuses, on a pu aider beaucoup de gens et je pense que ça vaut la peine d'essayer. Ce qu'on dit toujours, c'est qu'en fait, vous risquez pas grand-chose. Au pire, vous risquez d'aller mieux. Parce qu'on a aussi des très bons retours. C'est un bon risque. On a des très bons retours outre la fertilité avec nos programmes, c'est que les gens se sentent mieux, tout simplement. Ont plus d'énergie. Beaucoup de gens me disent ça, plus d'énergie, les ongles qui arrêtent de casser. Enfin, voilà, on pourrait aussi... mais c'est ça. Et du coup, on voudrait vraiment vous faire un cadeau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on vous propose d'avoir moins de 30% sur les programmes In Concept, comme je vous ai expliqué, c'est vraiment notre base et ça peut vous aider par rapport à une fausse couche. C'est vraiment le programme qui peut vous aider par rapport à une fausse couche. On va vous envoyer ce code demain pour tous les gens qui se sont inscrits à ce webinaire par email et vous pourrez l'utiliser jusqu'à dimanche. Alors, c'est une période courte parce que notre idée, c'est que si vous voulez vous engager dans un changement, il ne faut pas y réfléchir. Il faut se dire, allez, j'y vais, je prends le taureau par les cornes, j'y vais, je veux réussir et actionner le changement. Et vous avez cette opportunité. Voilà, et puis notre slide de fin qu'on aime beaucoup, c'est on a cette petite voiture fertiline, on a une population saine et fertile parce que notre but, c'est aussi de vous aider à aller mieux, pas seulement au niveau de la fertilité, puis aussi aider vos enfants à être en bonne santé. Donc nous, on va vers une population plus saine et plus fertile et la question, c'est où est-ce que vous allez, vous ? Voilà. On a fini. On laisse place aux questions. On va passer aux questions. Très bien, merci beaucoup toutes les trois pour cette présentation. Alors, on va passer aux questions. On a eu quelques questions. On a déjà eu des questions par mail avant ce webinaire. Donc, je vais vous les lire. Vous m'entendez bien ? Oui. Ouais, d'accord. Alors, la première question, c'est donc une participante qui nous dit « Avec une AMH à 3,90 », peut-il y avoir une mauvaise qualité ovocytaire qui entraînerait des fausses couches à répétition ? Alors, je vais laisser le docteur Calomardé répondre et après on passera aussi avec Virginie et Adva. D'accord. Alors, cette AMH, d'accord, c'est un AMH normal, mais avec la AMH, normalement, on étudie la quantité des ovocytes, ça veut dire la réserve ovarienne, d'accord, avec l'écho, on peut compter combien d'ovocytes il y a et avec ça, on a une idée de la réserve ovarienne. Mais la qualité des ovocytes, ce n'est pas possible d'étudier avec la AMH. Normalement, il y a une relation parce que si la AMH diminue, normalement aussi la qualité diminue parce que normalement, ça c'est avec un âge plus avancé, d'accord? Mais il n'y a pas une relation directe. C'est une relation surtout indirecte. D'accord. Quelque chose à rajouter, Virginie, peut-être? Non, je pense que c'est juste une relation effectivement qui est plutôt indirecte parce que si l'AMH baisse, ça veut dire que aussi probablement il y a une baisse hormonale. C'est plutôt cette baisse hormonale qui peut rendre l'implantation plus difficile. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'aborder là le sujet de la progestérone qui est hyper intéressant, mais dans ce cas, c'est effectivement plutôt une relation indirecte effectivement. Ok, alors je vais passer à une autre question, pareil qu'on a reçue par mail.
sur l'allergie. Virginie en a parlé un petit peu tout à l'heure. L'allergie est un mécanisme inflammatoire. Peut-elle avoir un lien avec des fausses couches à répétition? Très clairement. C'est très, très clairement. Alors après, il y a différents types d'allergies. Il y a ce qu'on appelle les allergies de terrain, c'est-à-dire on est allergique depuis la petite enfance. On fait par exemple des allergies saisonnières ou des allergies à certains aliments ou par exemple même de l'atopie, de l'eczéma. Ça, c'est une problématique de terrain et c'est une problématique qui perturbe l'immunité. Donc, ce n'est pas l'allergie en elle-même qui va augmenter le risque de fausse couche, mais c'est plutôt que l'allergie et la fausse couche ont une cause commune qui est le déséquilibre immunitaire. Et puis après, on a un autre type d'allergie qui sont les phénomènes allergiques violents qui sont souvent en général liés à des problématiques de forte inflammation et d'histamine. Et ça, c'est très dangereux pour l'implantation aussi. Donc là, c'est beaucoup plus direct, ouais, effectivement. Mais dans tous les cas, il y a clairement un lien entre l'allergie et le risque de fausse couche. Ce n'est pas forcément toujours direct, mais il y a un lien qui passe par le terrain immunitaire, en fait. D'accord, merci. Alors, une autre question, une participante qui nous demande si à 9 semaines de grossesse, les fausses couches peuvent arriver parce que le placentin ne prend pas le relais. Alors, peut-être plus au niveau médical. Au niveau médical, ce n'est pas exactement ça, d'accord. Ça peut arriver, l'implantation et la formation de la placenta, c'est très difficile d'expliquer, d'accord, mais simplement, c'est une invasion des bases, d'accord? Alors, c'est très risqué pour avoir, il peut arriver d'avoir des hématomes, décoller des trophoblastes, ça c'est les placenta au début des grossesses. Alors, normalement, ça c'est les problèmes, un problème plus mécanique, d'accord? Et ce n'est pas exactement la formation de la placenta percée, d'accord? C'est surtout un problème mécanique de l'invasion des bases. OK. D'accord, alors on va passer aux questions qu'on a reçues pendant le webinaire. Alors une participante qui nous demande, donc elle nous dit, un endomètre fin, moins de 7 mm, peut-il être aussi une cause de fausse couche à répétition? Si oui, comment aider l'épaississement de l'endomètre? Alors je pense que toutes les deux, vous avez quelque chose à dire là-dessus. Oui. Alors, pour nous, pour mon expérience, normalement, oui, l'endomètre, l'épaisseur et surtout l'aspect, normalement, on étudie l'épaisseur, minimum 6-7 mm, d'accord, mais surtout, c'est l'aspect. Alors, j'ai eu des patients avec 5-5,5 mm, mais si l'aspect est très bon, alors, probablement, il y aura d'implantation, il y aura des problèmes avec l'implantation. Et les fausses couches aussi, d'accord? Mais si il y a par exemple un endomètre de 7 mm, mais l'aspect ce n'est pas bon, alors c'est plus fréquent d'avoir des chefs d'implantation et des fausses couches. Alors oui, il y a des relations, mais surtout avec l'aspect. Et puis peut-être qu'on peut répondre à la partie, parce que je crois que sur la partie est-ce que l'épaisseur cause les fausses couches, c'est tout à fait OK, mais sur la partie. Comment aider l'endomètre à s'épaissir? Il y a plusieurs choses qui créent l'épaississement de l'endomètre. Déjà, il y a l'imprégnation œstrogénique. Hein, l'endomètre il s'épaissit sous l'effet des œstrogènes pendant la phase folliculaire. Les œstrogènes, ce sont des hormones qui sont produites par pas mal de processus. Hein, le précurseur, c'est le cholestérol. Et puis au final, il y a tout un processus qui s'appelle l'aromatisation qui se fait principalement dans la masse grasse. Alors, je dirais, tout dépend du profil physique. Mais si on a un profil physique très fin avec très peu de masse grasse, ça peut être un souci justement pour la production des endomètres. La production des œstrogènes et l'épaississement de l'endomètre. Si ce n'est pas le cas, alors ça veut dire qu'il y a autre chose. Autre chose, ça peut être un défaut, par exemple, de division cellulaire. On disait l'endomètre, c'est un tissu dynamique. Hein, il y a une division cellulaire intense. Pour épaissir cet endomètre, peut-être qu'il y a une incapacité à l'épaissir correctement en raison de troubles de la méthylation, de carences en coenzyme Q10, par exemple. Et je dirais que ça, c'est vraiment les deux principales choses, en fait. Hein, les œstrogènes, et la capacité vraiment de division cellulaire, qui sont des choses aussi assez malléables, en fait. D'accord, très bien. Alors, je suis en train de regarder les questions. On commence à avoir beaucoup de questions. Je vais essayer de choisir les questions auxquelles on n'a pas du tout répondu pendant la présentation. Alors, il y a une question sur le syndrome des ovaires polykystiques. Est-ce qu'il y a plus de risques de fausses couches avec ce syndrome et pour quelles raisons? Si oui, pour quelles raisons? D'accord. C'est pour moi, la question? Oui. D'accord.
Et avec ce syndrome, c'est vrai qu'on a des relations, surtout avec l'obésité. Les 50% des personnes, des femmes qui ont ce syndrome sont obèses, d'accord? Alors, il y a une relation directe avec les fausses couches et l'obésité. Et aussi, les syndromes de verre polykystique, normalement, il y a beaucoup de follicules, d'accord? Le réservoir ovarien, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est la qualité des ovocytes. C'est pour ça que la qualité des ovocytes, c'est plus faible. Alors, c'est directement c'est relationné avec en augmente les taux de fausses couches, dans ce cas. Sur le plan du terrain, il y a aussi deux autres choses qui sont importantes. C'est que souvent, ces syndromes des ovaires polykystiques sont associés à un phénomène qui s'appelle la résistance à l'insuline. L'insuline, c'est quand même une hormone qui est aussi pro-inflammatoire et qui peut diminuer la qualité d'implantation. Il y a quelques petites publications là-dessus, ce n'est pas énorme, mais il y a quelques petites pistes. Et puis aussi, dans le syndrome des ovaires polykystiques, souvent, il y a un excès d'androgène qui est associé à un excès d'œstrogène. Et en fait, il y a un déséquilibre souvent entre la quantité d'œstrogène et la quantité de progestérone. Et cet équilibre est quand même très important pour le côté implantation. Donc, il y a vraiment aussi ces deux facteurs de terrain qu'il faut prendre en compte. Et l'objectif, c'est peut-être d'avoir une approche de terrain pour diminuer la résistance à l'insuline et augmenter, en fait, enfin, améliorer le déséquilibre œstro-progestatif, en fait. Exactement. D'accord. Alors, une autre question, une participante qui nous demande quel serait le traitement pour que les cellules NK ne rejettent pas l'embryon. Alors, c'est vaste. C'est large. Alors, je ne sais pas si vous voulez répondre au niveau médical et puis après, je réponds sur le plan du terrain ou… Je ne sais pas si sur le plan médical, vous avez… Enfin, j'imagine que sur le plan médical, c'est la cortisone principalement. Exactement. Normalement, l'immunologue, c'est les personnes qui nous donnent les traitements, surtout. D'accord. Mm-hmm. Mais normalement, on donne les corticoïdes à partir des traitements des progestérones. Normalement, on ajoute ça. Mm-hmm. Oui. Pour En fait, si on veut faire baisser les natural killers, déjà, il faut enlever toutes les infections froides. C'est-à-dire que dans l'organisme, on peut avoir des infections qui ne sont pas des vraies infections parce qu'on n'est pas malade, mais qui sont des choses qui énervent notre immunité. Et dans ce cas-là, ça veut dire que l'immunité reste dans un état combatif et qu'on a toujours des natural killers qui sont très vigilants et que même si une grossesse s'installe, ils ne vont pas baisser. Donc, il faut trouver l'infection froide, l'éliminer. Ça, c'est la première chose. Et il faut augmenter la tolérance immunitaire. Alors, comment on augmente la tolérance immunitaire? Ça, c'est une grande question parce qu'il y a près d'une quinzaine de types de recommandations qu'on peut donner pour augmenter la tolérance immunitaire. Ça va des probiotiques à l'arrêt complet de certains types d'aliments, à de la gestion de l'histamine, enfin, à augmenter les oméga-3. Il y a tellement de choses qui modulent l'immunité. Alors, c'est vrai que dans les programmes, on vous donne les réponses exactement parce qu'on vous pose 200 questions et on investit plus de 1000 paramètres. Et c'est vrai que répondre à cette question-là, qui est une question très juste, mais qui est une question massive, en fait, comment baisser les natural killers dans votre situation, pour y répondre, je dois vous poser quasiment, alors peut-être pas les 200 questions, mais au moins 100, parce que la stratégie, elle va être en lien avec ce que fait votre immunité et la raison pour laquelle elle est énervée comme ça, en fait. C'est surtout ça. Donc, les probiotiques, les oméga-3, une alimentation plus équilibrée, moins de stress, tout ça, ça y contribue. Mais les actions spécifiques, il faut vraiment comprendre le terrain parce qu'en fait, on peut même avoir des actions. Par exemple, une action qui peut faire baisser les natural killers chez quelqu'un, la même action peut les faire augmenter chez une autre en fonction du terrain. Donc, il faut être très vigilant à ce qu'on fait et bien connaître le terrain quand on veut faire de la modulation du terrain immunitaire, en fait. D'accord. Alors, une autre question sur les fibromes. Les fibromes hors sous-muqueux, donc qui sont à l'extérieur de la cavité utérine, sont-ils toujours responsables de fausses couches? Non, ce sont les fibromes qui sont subséroses. Normalement, ce sont les fibromes qui n'affectent pas, ne produisent pas l'altération de la cavité endométriale. Non. Normalement, s'il n'y a pas beaucoup de fibromes, ce n'est pas les causes d'une fausse couche, d'accord? Normalement, les causes des fausses couches sont ou bien un utérus très irrégulier avec beaucoup de fibromes et les cavités très altérées, ou bien un fibrome, seulement un fibrome, mais c'est submucose, excuse-moi. Alors, si c'est submucose, ça veut dire qu'il y a une altération de la cavité endométriale. Mais avec la hystéroscopie, on peut enlever cette part des fibromes et
nettoyer un peu les cavités endométriales. C'est très bon. D'accord. Très bien. Alors, je vois que dans les participants, on a des utilisatrices des programmes Fertiline, apparemment. Alors, on a des questions là-dessus. Alors, une participante qui nous dit « Actuellement, nous suivons le concept préconception dans le cadre d'une FIV d'eau. Les embryons sont en culture et le transfert est prévu à mi-novembre. Quand dois-je basculer sur le programme Fertiline FIV d'eau ?» Alors, l'idéal, c'est de basculer sur le programme Fertiline FIV d'eau une quinzaine de jours avant le transfert, parce qu'en fait, tous nos programmes finalement de PMA, que ce soit le programme FIV, le programme TEC ou le FIV d'eau, sont structurés en deux parties. La première partie, en fait, où on va vraiment préparer le terrain pour l'embryon, et la deuxième partie où on va travailler sur toute la phase d'implantation. Donc, les conseils changent, en fait. On a vraiment deux phases dans ces programmes-là, et ces deux phases sont conditionnées en fonction du terrain de la personne. Donc, c'est des programmes, les programmes justement de PMA sont des programmes qui ont une complexité qui est juste hallucinante, parce que là, on étudie plus de 1500 paramètres pour produire deux programmes sur un mois, et il faut effectivement les commencer 15 jours à peu près avant le début du protocole de PMA. Donc, si c'est un transfert, il faut commencer 15 jours avant le transfert. Non, 15 jours avant de débuter le... Ah, pardon, 15 jours avant de débuter le cycle du transfert. Oui, voilà. 15 jours avant de débuter le cycle du transfert. Donc, 5 semaines avant le transfert. Oui, 4 à 5 semaines avant le transfert. D'accord. OK, alors une autre question. Comment éviter les fausses couches en cas de maladie auto-immune comme le diabète de type 1 et la maladie de Basedow? Comment limiter les fausses couches? Les fausses couches en cas de maladie auto-immune comme le diabète de type 1 et la maladie de Basedow. Alors, la maladie de Basedow, c'est une maladie qui est effectivement une maladie auto-immune et très liée à l'activité d'anticorps antithyroïdiens. Et ces anticorps antithyroïdiens sont souvent très liés avec des dysfonctions de la flore intestinale, notamment des candidoses. Donc là, il y a des actions très spécifiques pour justement traiter les candidoses. Sur un Basedow, on va très souvent parler du gluten et de l'effet néfaste du gluten aussi. Pour un diabète de type 1, là, on est sur une auto-immunité qui est encore mal connue et qui est finalement pas si étudiée que ça sur le plan du terrain. Donc, on se base plus sur le Basedow, mais là, en gros, ça va être surtout des changements alimentaires et l'apport de probiotiques aussi, énormément. Par contre, ça, dans le diabète de type 1, on sait qu'il faut un apport en probiotiques très, très important. La vitamine D aussi. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter sur le plan médical, docteur Calomardé? Comment? Sur les fausses couches dues au diabète de type 1. Oui, alors normalement, on doit étudier aussi exactement les anticorps antithyroïdes toujours avec les bilans des fausses couches, les tests, les prises de sang, d'accord, parce que normalement, c'est très, très, très en relation avec les fausses couches. Et normalement, les traitements, c'est les corticoïdes, dans notre cas, les corticoïdes et aussi des vitamines, d'accord, les vitamines D, c'est très important. Mais surtout, on doit voir si c'est vraiment relationné avec les fausses couches en ce cas, non? D'accord. Alors, on va prendre encore quelques questions. Alors, j'avais vu une question qui était intéressante. Virginie avait parlé de l'homocystéine, de l'importance de l'homocystéine chez la femme et chez l'homme. On a une participante qui a bien fait l'analyse sur elle, mais ne l'a pas fait chez son conjoint. Alors, quelle est l'importance de le faire sur le conjoint? Alors, l'importance de le faire sur le conjoint, c'est de s'assurer que la division cellulaire soit efficace. Et aussi, l'homocystéine, elle conditionne quand même beaucoup de facteurs d'ordre épigénétique, c'est-à-dire de santé transmise à l'enfant par le biais de l'expression en fait, des gènes. Donc, c'est vrai que finalement, cette homocystéine, on devrait peut-être quasiment la doser à chaque fois qu'on a une situation d'infertilité. Et en fait, une homocystéine élevée chez un homme peut aussi expliquer vraiment des échecs d'implantation et des défauts de division embryonnaire quasiment dès les premiers stades, hein, parce qu'on imagine on sait qu'à partir du moment où l'embryon a dépassé J3, c'est surtout en fait les capacités de division cellulaire du spermatozoïde qui vont rentrer en jeu.
Donc là, c'est essentiel. Si on voit qu'on a des embryons qui se développent mal ou qu'il y a des échecs d'implantation ou qu'il y a une infertilité depuis très longtemps, il faut effectivement doser l'homocystéine chez l'homme. Ça, c'est très important. D'accord. Alors, on va prendre une autre question. Une participante qui est en programme Fertiline. Donc, elle me dit, on me conseille d'éliminer le gluten dans mon alimentation. Est-ce lié à mon terrain immunitaire? Si oui, pouvez-vous nous expliquer quel est l'impact du gluten sur l'immunité? Alors, en fait, déjà, dans le programme, on l'explique. À chaque fois qu'on explique qu'il faut éliminer quelque chose, on explique pourquoi il faut le faire, pourquoi l'algorithme a repéré ça et qu'il faut le faire. Alors, il y a plusieurs raisons hein, qui font qu'on élimine le gluten. Ça peut être justement des problématiques de scoring immunitaire, c'est-à-dire que dans l'algorithme, on a des questions qui portent sur l'immunité. Ça crée des scores, différents types de scores immunitaires et en fonction du score, on va statuer que l'immunité est trop perturbée et puis qu'il faut enlever les perturbateurs immunitaires dont non pas le gluten mais la gliadine principalement fait partie. Et puis il y a d'autres raisons, notamment des raisons qu'on appelle des raisons de mimétisme moléculaire. Il y a certaines bactéries, certains champignons qui ressemblent en fait, qui ont une forme de gluten en quelque sorte, pour lesquels notre immunité est énervée. Et en fait, malheureusement, l'embryon humain a aussi un mimétisme moléculaire avec le gluten. Donc, c'est-à-dire que si l'immunité attaque certaines bactéries qui ressemblent à du gluten, se met à attaquer du gluten, il y a de fortes chances qu'elle se mette à attaquer un embryon. Donc, il y a différents tableaux qui peuvent nous inciter à enlever le gluten dans les programmes. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on enlève le gluten, parfois, on enlève d'autres aliments, parfois, on en rajoute. C'est très... très flex, ça dépend du terrain. Et c'est vrai qu'on a souvent des personnes qui sont surprises parce que parfois, on enlève le gluten alors qu'il n'y a aucun trouble digestif, et parfois, on ne va pas l'enlever alors qu'il y a des troubles digestifs. Mais finalement, pour tous ceux qui font des programmes Fertiline, si je peux vous recommander une chose, c'est que si l'algorithme vous donne un conseil, suivez-le, parce que si vous avez ce conseil-là, c'est que vous avez un score qui le justifie. Et c'est qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui justifie le conseil et qui est appuyé vraiment sur des pistes scientifiques. Et aujourd'hui, c'est vraiment la pertinence des programmes Fertiline de donner exactement les bons conseils et d'éviter les efforts inutiles. Alors, en l'occurrence, je vois le nom de la personne qui a posé la question. Je sais qu'elle a de très bonnes nouvelles, donc que c'est une stratégie qui a très bien fonctionné, en l'occurrence, et qu'elle doit continuer jusqu'à ce qu'on ait passé la phase de tolérance immunitaire, c'est-à-dire au-delà des 16 semaines d'aménorrhée, en fait. Voilà, donc je ne peux pas exactement répondre dans son cas, parce qu'il faudrait que je regarde le programme, pourquoi le gluten a été enlevé. Il y a plusieurs raisons. Mais en tout cas, si l'algorithme donne cette recommandation, c'est qu'il faut absolument le faire et de façon très stricte. Oui, ça veut dire c'est zéro gluten. C'est-à-dire zéro. Que c'est pas, on peut un petit peu, parce que dès qu'on va prendre une toute petite molécule de gluten, ça va énerver le système immunitaire. Vraiment, le but, c'est vraiment de le calmer. Donc, c'est vraiment zéro. Et puis, finalement, c'est quelque chose qu'on va faire sur une courte durée. Ça peut paraître difficile. Justement, on en parle souvent dans l'espace member, quelles sont les stratégies pour suivre nos programmes, pour aider les gens à suivre nos programmes, parce qu'on sait qu'on demande souvent des choses qui peuvent être difficiles en société, etc. Et on vous aide justement dans l'espace member à suivre les programmes pour que ce soit le plus facile possible. Et finalement, ce qu'on veut, c'est arriver à cette bonne nouvelle, la maintenir. Et qu'est-ce que c'est d'arrêter le gluten sur 6 mois pour avoir ce bébé tant attendu, voilà. Ou autre chose, hein, gluten ou autre chose. Ok, très bien. Alors, on va prendre une question qui est très, très fréquente, mais je pense que c'est très important d'à chaque fois expliquer ce point-là. C'est comment savoir si on a une bonne qualité d'ovocyte. Alors, on ne peut pas savoir avec aucun examen quelle est la qualité des ovocytes, d'accord? Seulement, on peut voir les embryons. Avec les embryons, on peut avoir un peu une idée comment c'est les qualités des ovocytes, d'accord? Mais on a parlé sur beaucoup des facteurs et risques pour une mauvaise qualité d'ovocytes, comme l'âge, comme une diminution de l'AMH précoce aussi, comme les relations entre les syndromes d'ovaire polykystique ou l'endométriose, d'accord? On ne peut pas savoir exactement quelles sont les qualités avec aucun examen, mais on peut avoir, on peut suspicier que ça, c'est le problème, hein, une mauvaise qualité de l'ovocyte selon les fiches médicales, selon les antécédents
Et après, on peut voir avec la qualité de l'embryon que vraiment, ça peut, on peut avoir ici une mauvaise qualité d'ovocytaire aussi, on peut suspicier sur les spermes, sur les champignons de sperme. Mais il n'y a pas d'exemple. C'est vrai qu'on est, on n'est pas capable dans les programmes de dire si vous avez ou non une bonne qualité d'ovocytes. Par contre, on est capable de trouver les pistes pour, le, pour améliorer la qualité. Et je pense que c'est ça qu'il faut viser parce que finalement, bonne qualité ou pas, si on dit que le 80% de qualité, c'est une bonne qualité, ben 100%, c'est encore une meilleure qualité. Donc, je pense que l'idée, c'est aussi peut-être de se dire… ben, soyons dans l'optimisation, quoi qu'il en soit de la qualité des ovocytes, qu'on soit sûr qu'ils soient de mauvaise qualité ou non, en fait. Mm-hmm. Très bien. Alors, je sais qu'on s'est donné une limite, mais je vois deux questions qui sont très intéressantes et on va finir là. Alors, une question sur la qualité des embryons de bonne qualité AJ5 en FIV, ne sont-ils pas signes que la division cellulaire se fait correctement? Alors, je ne sais pas si vous voulez répondre, docteur, ou si on répond comme… Alors, je pense que si on a un embryon un jour 5, on ne peut pas savoir si cet embryon c'est normal génétiquement ou pas, d'accord? On peut avoir un blastocyste de très bonne qualité, apparemment, mais on peut faire la biopsie et cet embryon peut être un trisomie 21, par exemple, ou chaotique chromosomiquement. D'accord? Alors, la division cellulaire, c'est, on nous donne une idée, d'accord? Mais ce n'est pas… On ne peut pas avoir toutes les informations avec ça. C'est une qualité visuelle, c'est... finalement, mais on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et en fait, c'est vrai que jusqu'à J5, comme je disais tout à l'heure, on fait les premières copies qui vont se reproduire à l'infini. Ce n'est pas parce que vous avez réussi, ce n'est pas parce qu'on a réussi à avoir une certaine quantité de premières copies que la qualité de la copie est bonne. Et si la qualité de la copie n'est pas bonne, à un moment donné, on va avoir des facteurs limitants, et notamment… Si vous voyez qu'une grossesse est en cours, puis qu'elle n'évolue pas, puis que l'embryon prend petit à petit du retard par rapport à la taille qu'il devrait avoir, là, ça peut être aussi une problématique de division cellulaire, mais plus tardive. C'est-à-dire que finalement, les premières copies se sont faites, mais ce n'était pas des copies à 100%. C'était peut-être des copies qui étaient à 60% optimisées, et ça ne va pas suffire à soutenir tout le processus de division cellulaire qui ne dure pas 5 jours, qui dure 2 mois. Si vous… courez un marathon, peut-être que vous allez très bien courir pendant 10 minutes, mais peut-être que vous n'allez pas réussir à courir pendant les 4 heures. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. C'est-à-dire que finalement, les 5 premiers jours de l'embryon, oui, c'est bon signe si ça se divise très bien. C'est déjà un premier bon signe. Si ça ne se divise pas, c'est qu'il y a vraiment une problématique de division cellulaire. Mais ce n'est pas parce qu'on arrive à un blastocyste que la division va hyper bien se produire derrière, parce que le matériel produit n'est peut-être pas 100% qualitatif à la base, et c'est ce matériel qui va se reproduire pendant 2 mois de façon hyper intense, en fait. D'accord, très bien. Alors, une autre question. Est-ce que l'endomètre vieillit après 40 ans? Et bien sûr. On peut savoir qu'entre 41 et 45 ans, l'endomètre est presque normal, d'accord? Ça dépendra si, par exemple, il y a une ménopause précoce avec 30 ans, par exemple. Et normalement, avec 41, l'endomètre ne sera pas bon, d'accord? Mais si vous avez vos règles régulières, entre 41 et 45 ans, avec un don d'ovocytes ou bien avec un propre ovocyte jaune, c'est plus ou moins les mêmes taux de réussite, d'accord? Les problèmes arrivent à partir de 45 ans. C'est vrai que les taux de réussite, c'est un peu plus bas pour les problèmes qu'il y a, surtout des vascularisations, des hormones de l'auto-immunité. Et alors, normalement, les taux de réussite, c'est un peu plus basse, mais à partir des 45 ans. OK. Autre chose à rajouter, Virginie? Alors, je dirais que évidemment, il y a des statistiques, tout ça, et c'est intéressant de s'y fier. Après, c'est la même chose que l'âge visible, parce que finalement, vous avez des personnes qui ont 40 ans et puis qui font 30 ans, puis vous avez des personnes qui ont 40 ans puis qui font 50 ans, et je pense que tous les tissus suivent un peu ce même processus, et un tissu peut vieillir et peut aussi être plus jeune que son âge. Donc, je pense que c'est intéressant d'avoir les statistiques, mais il ne faut pas se dire juste parce qu'on a dépassé 40 ans, on a un endomètre qui va vraiment diminuer en qualité.
Ça, c'est une donnée qui peut être faussée en fonction de ce qu'on fait dans son hygiène de vie, en fonction de ce qu'on, voilà, de l'activité physique, de toutes les composantes en fait de l'hygiène de vie, de la quantité d'antioxydants, de la quantité de phénol, de molécules qu'il y a à vasculariser. Donc, je pense que là aussi, le constat du vieillissement, on peut vraiment le On peut améliorer les facteurs, si on fait des choses ciblées, on peut améliorer les facteurs. Alors, bien sûr, il y a toujours le facteur âge qui compte, mais on peut quand même améliorer certains facteurs et aider si on a des actions ciblées. D'accord, très bien. Est-ce que vous voyez une autre question à laquelle vous aimeriez répondre? La dernière avant de finir. Moi, je voulais juste dire une chose, c'est que demain, sur notre compte Instagram, on va mettre aussi une petite boîte avec un appel à questions par rapport aux fausses couches, par rapport à ce webinaire. Donc, si vous avez des questions par rapport au programme, aux fausses couches, etc., on y répondra demain, pendant le week-end. Donc, ça vous permettra, et par rapport au programme, ça vous permettra aussi de continuer à poser des fausses couches. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps. Des questions. On veut diminuer les fausses couches, de continuer à poser des questions. Excusez-moi. Alors, je voudrais peut-être juste répondre à une dernière question que je vois. Bon, il y en a d'autres. En fait, elles sont toutes intéressantes. Alors, il y a peut-être deux questions. Je fais très vite, mais est-ce que prendre des pré-probiotiques favorise l'implantation et évite les fausses couches? Prébiotiques, non, il n'y a pas d'études là-dessus. Peut-être, en fait, mais concrètement, c'est pas très étudié. On ne voit pas trop l'effet des prébiotiques. Ce serait un effet trop long, trop indirect. Probiotiques, oui, pour le peu qu'on prenne les bonnes souches. Et par contre, le probiotique en lui-même ne va pas suffire. Il faut rééquilibrer tout un terrain immunitaire. Il faut agir sur l'alimentation, il faut agir sur le sommeil. Donc, c'est plutôt quelque chose de global prévenir justement le risque. Et puis, l'autre question, c'était un test MatriceLab fait-il un doublon avec la partie immunité des questionnaires des programmes Fertiline? On ne parle pas tout à fait de la même chose. Alors, MatriceLab, c'est très bien, mais on parle de l'immunité endométriale. Dans les programmes Fertiline, on parle de l'immunité globale et on parle de facteurs d'immunité globale. Et dans un test MatriceLab, on fait un petit focus sur l'endomètre pour traiter uniquement l'endomètre et de façon ponctuelle. C'est-à-dire que finalement, s'il y a un excès d'immunité, on va donner par exemple de la cortisone pour faire abaisser cette immunité. Mais en réalité, on ne va pas rétablir le terrain immunitaire. C'est-à-dire que oui, le moment où vous prenez la cortisone, votre immunité, elle va s'abaisser ou pas tant que ça, parfois. Et en fait, une fois que vous allez arrêter votre cortisone, votre terrain immunitaire, il va revenir comme il était avant. Donc, nous, dans les programmes, en fait, l'objectif, c'est vraiment de faire de la régulation de terrain, c'est-à-dire de changer la façon dont fonctionne le fond de votre immunité. Parce que c'est ça le problème. C'est sûr que votre immunité, vous pouvez lui taper dessus avec de la cortisone et ce sera efficace à court terme. Non, si vous voulez vraiment mener une action long terme, je pense que c'est bien d'avoir une action de terrain et c'est tout à fait compatible. On peut faire un programme Fertiline et on peut faire un MatriceLab. Si je prends le cas, on a parlé d'un cas tout à l'heure de 6 fausses couches en 2 ans. C'est une personne qui avait fait un protocole MatriceLab et qui avait eu aussi une fausse couche sur un protocole MatriceLab et qui a eu finalement un succès avec un programme Fertiline. Après, moi, je suis tout à fait fan de MatriceLab parce que je trouve que c'est quelque chose qui est très avancé. L'immunité endométriale, c'est très avancé, mais peut-être que c'est trop focusé. Et je pense que le terrain, il faut s'en occuper. Le terrain général, il faut s'en occuper. Donc, c'est très différent et c'est à la fois compatible aussi. Très bien. Voilà. Parfait. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Pour les questions, qu'on n'a pas répondu directement, elles ont été évoquées dans la présentation. Donc, de toute façon, si vous n'avez pas pu voir le début de la présentation, vous pouvez le retrouver ensuite sur nos comptes YouTube. Donc je pense qu'on peut terminer là-dessus. N'oubliez pas que c'est une série de webinaires, donc on va présenter un nouveau webinaire sur la même série le 19 novembre sur le thème de l'endométriose, donc n'hésitez pas à vous inscrire aussi. On ouvrira bientôt les inscriptions. Donc merci à toutes les trois d'avoir participé au webinaire. Merci à vous et merci à toutes les personnes présentes. Et puis franchement, bravo de vous occuper de ça et de vous intéresser à tout ce que vous pouvez faire. Enfin, ça fait déjà de vous de super futurs parents. Voilà, très bien. On a plein de remerciements sur les,
sur le chat. Donc, merci à vous tous d'avoir participé. Et puis, on se donne rendez-vous pour le prochain webinaire. Voilà, super. Avec plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.